Good morgen, allez, Iden, les sucres aujourd'hui, le Nishmat, Esther, Bat Miriam, Rosette, Zohara, Bat Sultana, et Maurice Moshe, Ben Sultana, et Moshe, Michael, Machlouf, Moshe, Michael, Ben Machlouf. Si vous souhaitez, vous souhaitez une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions Maserhet et Rouvin, Père Exaïn, Mishnah Chet. Mais Kama ou Shiuro, Bizman, Shehen, Merubin, Mazon, Shte, Seudot, Le Kulam, Bizan, Shem, Moatin, Kagro, Geret, L'Otzat Shabbat, le Kol Echad Ve'Echad. Je vous avais introduit depuis la Mishnah Vav, qu'à partir de la Vav jusqu'à la fin du chapitre, on va découvrir comment concrètement on s'associe dans le Eruv, qu'est-ce qu'on doit, quelle contribution on doit apporter exactement, quelle quantité de nourriture. Et donc dans les deux Mishnah précédentes, on avait plus parlé de l'aspect Kinyan, comment acquérir, faire acquérir par un intermédiaire, une tierce personne, le Eruv, une partie à chacun des habitants d'ici. Et à présent, on découvre comme ça, avec Kama Uz Shiuro. Combien, quelle est, et quelle est sa quantité, c'est-à-dire combien de nourriture chacun doit-il donner. Alors la Mishnah nous donne deux limites, c'est-à-dire une limite par tête et avec un plafond. Soit, Bizman Shen Merubin, si toutefois ils sont beaucoup dans toute cette cour, alors Mazon Shte Seudot. Il faudra laisser la nourriture requise pour deux repas. Les koulam, en tout. Au total, la nourriture pour un repas, pour deux repas en tout. C'est pas la peine de donner plus que chacun il va donner un repas entier, ni deux repas. Par contre, bizman shehen muatin, et si toutefois ils ne sont pas beaucoup dans le khatser, alors chacun devra donner qu'à gros guéret. Il devra donner l'équivalent d'une gros guéret, d'une date, d'une figue. Les hotza'at shabbat l'école echad ve'echad, la quantité requise pour transgresser l'interdit de porter à Shabbat, pour chacun, mais chacun, et à chacun. Et on explique un petit peu mieux de quoi on parle, c'est vraiment très simple. La quantité d'abord à Shabbat pour transgresser la nourriture, pour transgresser lorsqu'on porte, même pas que lorsqu'on porte, tout ce qui a un rapport avec la nourriture, pour faire cuire quelque chose, quelle est la quantité requise pour transgresser l'interdit de Shabbat, alors il faut une gros guérette. Vous verrez, c'est une figue sèche. Et donc ça, la Mishnah a pris un des exemples en disant le chiour requis pour transgresser l'interdit de porter à Shabbat. Ça, c'est une quantité importante. Donc en fait, lorsqu'on veut s'associer, il faut que chacun mette une quantité importante. Chacun va mettre au moins une gros guérette. D'accord? De nourriture. Après, je préciserai exactement de quel élément, de toute façon, on le reverra plus tard. Donc chacun doit mettre une quantité d'une gros guérette. Ça, c'est s'ils sont jusqu'à 18 personnes. On va expliquer exactement qui 18 personnes, en tout cas jusqu'à 18 personnes. Mais dès qu'on atteint 18 personnes, que 18 c'est l'équivalent, 18 gogot c'est l'équivalent finalement de Mazon Shkesudot qui sont 4 à 6 beitim, 4 beitim on va retenir. Alors, d'accord, 4 beitim, l'équivalent de 4 œufs. Alors dès lors, c'est fini, on peut se contenter de laisser cette quantité. Soit, d'abord, on explique un petit peu mieux. De quoi on parle d'abord? Il y a le Tosfot Yom Tov qui rapporte au nom de Rabbeinu Yonatan qui en parle soit de Eruv Chatzerot, soit de Shitufei Mevot. Vous vous rappelez, il y a deux choses dans lesquelles il faut s'associer. Si on est tous dans une même cour, il faut s'associer dans la cour. Et si à part ça, toutes les cours donnent à une impasse, alors il faudra s'associer dans l'impasse. Cette quantité qui est évoquée ici, selon le Rabbeinu Yonatan, ça s'applique dans les deux cas. Donc on parle soit d'un Eruv Chatzerot, soit d'une Shitufei Mevot. Il faut laisser une quantité de nourriture de... Alors si on est plein, alors 18, c'est 18 foyers, c'est pas 18 personnes. C'est-à-dire si dans ma maison on est 10, et si la maison d'en face ils sont 8, on laissera pour le moment, c'est pas la peine d'amener déjà de Mazon Shte Seudot. Il suffira qu'on donne deux quantités de une gros guérette à chacun. Pour chacun, notre foyer, une gros guérette, lui une gros guérette, et donc on a maintenant ces deux petites quantités-là, et on fait un Eruv entre nous. D'accord? Donc 18, il faut 18 foyers. S'il y a 18 foyers, alors, quoi qu'il arrive, pour s'associer, il faut mettre quelque chose de conséquent, d'important. Si on parle de Eruv Chatzerot, par exemple, alors il faut mettre un pain. Un pain conséquent. C'est quoi un pain conséquent qui a une mesure importante? Alors, on ne va pas dire un kazaït, cette fois-ci, puisqu'on est dans les Lechot Shabbat, et dans les Lechot Shabbat, les quantités requises sont différentes, ont une échelle différente. Donc il va falloir prendre une gros guérette. C'est une nourriture importante. Mais mieux que ça, la Mishnah me dit, mais tu sais, si vous êtes tellement, que vous avez atteint le Mazon Shte Seudot, la quantité requise pour manger
requise pour un pauvre qui mange deux repas, l'équivalent de arba betim. Alors là, ça suffit. Vous avez maintenant mis un plat important qui vont ensemble tous. C'est pas la peine de donner plus. Ok? Sur le mazan jeté sous dot, la quantité requise pour manger deux repas. Je me trompe quand je dis arba betim. Ça fait 6 betim parce que mazan seuda achat. Gviut seuda c'est arba betim. Arba ou 3 betim. Le gviut seuda, vous devez connaître cette quantité. On la trouve dans les ilchot brachot. Lorsqu'on mange des gâteaux, par exemple, une quantité de 3 selon Rambam, ou 4 betim. 4 betim, donc on a mangé une quantité de 4 œufs, fois 56 grammes, ou plutôt centimètres cubes. Alors l'équivalent de 224 grammes, ou centimètres cubes. Alors, on est déjà imposé de faire le Birkat Hamazon, même lorsqu'on mange des croissants, même lorsqu'on mange des gâteaux. Même du cake, en blilaraka, en pâte molle, c'est la quantité requise pour un repas. C'est ce qu'on mange dans un repas. 3 ou 4 beitim. Et du coup, maintenant, donc là, je te demande de faire deux repas, étant donné que Shabbat, c'est vrai qu'à Shabbat, on fait trois repas, mais il y en a deux qui sont essentiels, un le soir et un le matin. C'est le minimum imposé, il faut se casser la tête pour le faire absolument pendant Shabbat, et même si possible, la souda shlichit. Mais avec Souda Shlichit, on peut s'acquitter avec d'autres choses. Tout ça, c'est rapporté dans Tosot Yom Tov. Donc du coup, le minimum d'une quantité importante à Shabbat, c'est le minimum pour pouvoir faire un repas le soir et un repas le matin au minimum. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai demandé de faire Amazon Jeté Seudot. Ok? Avec, bien sûr, le principe, il est très simple. On te demande de prendre une quantité de nourriture importante. Quantité de nourriture importante, c'est combien? Il y a le... Personnellement, chacun, ça va être une burgerette. Dès qu'on atteint un autre, dès qu'on est passé à un autre palier de quelque chose d'important, alors on peut s'arrêter là-bas et ça veut dire une zone de chute sous d'autres. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine, mais cela sera comme tout.